Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Mister Samnar 12. Là, je suis tout mélangé un petit peu parce que là, c'est la troisième prise. Première prise, j'avais pas mis le bon lien dans la description. Deuxième prise, j'ai eu un appel. Donc, c'est un tutoriel pour en fait télécharger Watershader Mod sur Minecraft 1.6.2. Donc, c'est pas compliqué en fait. Vous allez sur une de mes vidéos, dans le fond sur ma chaîne. Donc, on peut aller, mettons, ma chaîne, blablabla, vidéo. Vous ouvrez. J'ai dans la vidéo. Vous ouvrez une de mes vidéos Minecraft. Que ce soit début de ma nouvelle chaîne ou gameplay partie 1 à 4. Vous le rouvrez. Mettons, moi je vais rouvrir le partie 1. Puis, vous allez dans la description, vous faites marquer, voici les liens, Watershader Mod, Media Fire, blah, download, yeah. Là, vous allez avoir le petit download ici, vous cliquez sur download. Là, je l'ai déjà téléchargé, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Désolé, ok. Donc, si quand vous ouvrez avec WinRAR, vous allez avoir deux dossiers comme ça, donc 1.6.2 water, puis un dossier shader. Vous les gardez, vous pouvez prendre exemple ça, vous le mettre de côté comme ça. Et là, vous allez dans le menu démarrer, vous faites pourcent, app data pourcent, roaming.minecraft. Là, vous allez dans. On va juste le glisser comme ça. Vous prenez le dossier shader ici. Et vous le placez, mettons, ici. Ça va vous le mettre. Moi, ça me l'a mis ici. Donc, je vais le faire. Parce que c'est pas grave. Après ça, on va dans version. Donc, vous cliquez sur version. Vous allez avoir. Moi, je peux supprimer cela. Ça me dérange pas. Vous prenez le 1.6.2 water. Puis vous le glissez là-dedans. Vous pouvez tout fermer maintenant. Vous pouvez supprimer ça si vous les gardez pas. Moi, j'y garde, sont toutes dans Minecraft mode ici. Donc, on rouvre Minecraft. Quand on va arriver sur notre launcher, comme ça, on va cliquer sur Edit Profile. Donc, Edit Profile. Vous allez avoir dans vos versions, normalement, c'est supposé être marqué Use Lasted Version. Puis vous allez cliquer sur Release 1.6.2 Water. Donc, vous cliquez là-dessus. Dans Use Version ici. Puis vous faites Save Profile. Donc après vous faites Play. Hop, hop, hop. Et normalement, si tout se passe bien, oui, on a le Watershader Mod. Bon, si vous voyez que je lag un petit peu, c'est à cause de Snagit. C'est pas le mod qui fait laguer comme ça. C'est Snagit. Donc vous avez votre eau. Le seul problème avec l'eau, c'est ça ici, le ciel bleu quand on nage un peu comme ça. Ça arrive des fois. Peut-être que ici ça va lâcher si je me baisse puis je remonte. Non. Donc c'est le seul petit désagrément. Sauf que quand vous voyez un eau comme ça, c'est quand même assez beau. Là, c'est sûr qu'elle est un peu beaucoup transparente, donc il y a deux désagréments. Le premier, c'est le ciel bleu dégueulasse quand on nage. Puis le deuxième, c'est quand vous êtes dans des caves, c'est pas le fun. C'est juste complètement pas le fun parce que vous voyez pas l'eau. Vous voyez l'obsidienne bouger. Vous voyez les monstres pas capables d'avancer. Vous êtes pas capable d'avancer. Vous vous demandez pourquoi. C'est qu'il y a de l'eau. Je sais pas si je peux vous le montrer un tout petit peu. Attends, je me prends un seau d'eau. Puis une torche. Puis on va descendre. Attends. On entend déjà de l'eau. Donc c'est pas mal ça, juste le désagrément comme ça. Là-dessus on voit déjà plus rien, donc je vais
Je vais mettre une torche ici. C'est sûr que si je mets de l'eau comme ça, ça paraît qu'il y a de l'eau. Mais je comprends pas pourquoi il fait clair comme ça. Ah non, check, regardez. S'il y a pas d'ombre dedans, là, on voit juste bouger. C'est comme ça que ça nous dit qu'il y a de l'eau. Mais dans des caves, c'est encore pire. Donc, c'est juste ça. Je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Puis, merci de m'avoir écouté. Likez, puis subscribe.